to know someone like you, someone like you. Là, on est au temple du Bouddha assis à la façon européenne parce qu'il est assis sur une chaise. Donc le temple s'appelle Wanpalela. Wanpalelai. Et on est dans la région de Suphanburi. Voilà, à la fin je vais parler thaïlandais. Mais vous avez pris ça sur le Bouddha? Non, ah bon? C'est dehors. Ce sont des feuilles d'or qu'on colle en fait sur le Bouddha. Voilà, là le monsieur, il va coller la feuille d'or sur le Bouddha. Et en fait, on colle là où on a mal. Et si on a pas mal, et ben on colle sur la tête du Bouddha pour être plus intelligent. Voilà. Là, elle colle sur le bras, certainement, elle a mal au bras. Alors là, on a un pied de banane piqué avec de l'argent. Oui. Quand on fait la prière au Bouddha, il y a trois bâtonnets d'encens, le bougie et les fleurs. Vous voyez, les trois bâtonnets d'encens, ça symbolise pour le Bouddha, enseignement de Bouddha et les disciples de Bouddha. Et le bougie, ça veut dire lumière de la vérité. La fleur, c'est la sortie de la pourpre. Et aussi autre chose, les gens, ils collent la feuille d'or. Voilà, ils collent la feuille d'or sur la partie du corps de la statue de Bouddha, à l'endroit où on a mal. Voilà. Même si on a mal nulle part, on peut coller à la tête, ça veut dire être intelligent. La sagesse, le cœur, bon amour, la main, l'argent, le ventre, bonne santé, bien manger. Voilà. Ça, c'est de l'or pur, 24 carats. Et là, vous faites votre vœu d'abord, et avant de coller. On va faire notre vœu et coller notre feuille d'or 24 carats. Là, on va tous enlever nos chaussures. Dans le temple, on fait un vœu. On secoue les baguettes et le numéro de la baguette qui est tombée, on vient chercher le papier. Et normalement, le vœu qu'on a fait doit correspondre à la prédiction. Voilà, c'est une prédiction. Prédiction, je viens de faire la traduction. Le mien est bon, du coup je le garde. Mais si la prédiction n'est pas bonne, il faut le laisser au temple et il faut recommencer. Et si on ne recommence pas, enfin pas dans le même temple, si on va dans un temple, on recommence. Et si on ne recommence pas, ce qui sera sur la prédiction durera un mois et arrivera. Voilà, voilà. C'est des superstitions comme ça qui, croyons ou pas, voilà, c'est une superstition. En tout cas, moi je garde mon papier parce qu'il est bon. Alors là, il y a trois cloches, donc un pour la santé, un pour l'argent, l'autre, je ne sais plus pourquoi en fait. Donc moi, je vais sonner à mon tour. Il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez-moi ça, comment ça brille. Il est en rénovation, mais c'est magnifique. Tante, mon chauffeur, what's your name? Nat. Nat? Ok, son nom c'est Nat. Et le collègue, what's your name? Bat? Alors là, on a Nat et Bat, l'équipe de choc. Fais bonjour. Bonjour la France. Bonjour la Réunion. La Réunion. Ils sont, franchement, ils sont hyper gentils. C'est fou parce que du coup la dame elle venait de nous dire qu'ils gagnent 5000 bahts par mois. 5000 bahts ça fait 130 euros par mois et c'est fou comment les gens, malgré qu'ils gagnent 130 euros par mois, ils sont hyper gentils, ils sont hyper serviables, hyper souriants et tout. Et le SMIC donc d'un Thaïlandais c'est 9000.
9000 et lui il gagne 5000. 9000 bahts c'est 250 euros. Et franchement ce chauffeur là il est trop gentil, trop souriant, serviable, il prend nos valises à chaque fois qu'on arrive dans le bus, il nous donne des trucs et tout. Donc à la fin nous après on doit lui verser un pourboire. Donc le pourboire est de environ 30 à 45 euros, le pourboire. Mais il le mérite largement. Depuis qu'on est là, on n'a rien à redire hein, de l'organisation, de la guide qui est vraiment super, du chauffeur qui est vraiment super. Ils sont vraiment gentils ici et souriants et tout ça quoi. Après, les gens rencontrés dans la rue, effectivement, ils n'arrivent pas à parler, donc ils se bloquent, ils se ferment. Ils ne parlent pas beaucoup anglais, donc je me demande si on était tout seul, sans guide, sans voyage organisé, comment on aurait fait. Organisé avec le guide, on apprend vraiment beaucoup de choses sur la culture, sur l'éducation, le gouvernement. Comment ils s'organisent en fait. Par exemple, au niveau du travail, c'est pas comme nous. Si tu ne travailles pas, bah, tu ne manges pas. Voilà. Et ceux qui n'ont pas de travail et qui ne mangent pas, ils vont au temple. Et c'est les moines qui vont chercher à manger. Moi, je trouve ça très bien et que la France devrait peut-être prendre exemple là-dessus. Voilà, si tu travailles, tu manges. Si tu ne travailles pas, et bah, tu ne manges pas, tout simplement. Mais on n'a pas d'argent facile ici, en tout cas. L'éducation, bah, les parents payent tout, donc voilà. Il y a un service militaire. Soit tu fais un service militaire obligatoire, soit tu deviens moine obligatoirement. Donc pour les jeunes et tout, c'est bien. Enfin voilà quoi. Bon allez, je vous laisse. Donc on est sur un site archéologique de Ayutthaya qui signifie la ville intaquable. Inattaquable. Inattaquable. Les statues, elles ont la tête, elles sont décapitées. C'est parce qu'en fait, avant, pendant la guerre, eh bien, ils cherchaient en fait de l'or dans les têtes de Bouddha. Voilà. Donc toutes ces statues, voilà, elles ont été toutes décapitées par les vandales, par des pilleurs et tout. À l'intérieur, en fait, de tous ces dômes là, en fait, eh bien, ils cachaient les pierres précieuses. Et quand ils ont perdu la guerre, et ben tout a été vandalisé. On dit qu'il y en a encore. Donc c'est, en tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour moi, la Thaïlande, c'est vraiment la culture, cette culture-là. Le côté plage, c'est autre chose. Mais c'est tellement beau. Là, on est sur le site du Bouddha couché. Il y a deux Bouddhas couchés. À Bangkok. Un à Bangkok et un à Ayutthaya. De 46 mètres à Bangkok et de 43 mètres à Ayutthaya. Et celui-là, il était couvert d'or, mais maintenant tout le monde a volé l'or et donc il y a... Ça, c'était recouvert d'or? Oui, tout. Des feuilles d'or comme ça ou... Non, c'est de l'or massif. Plus épais. It's a losing game, but this time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all. Là, on est un peu dans la cité des anges. Donc ils vivent en liberté, ils vont même sur la route. Ils vivent vraiment en liberté. You make my world so bright, it feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying,
du mal au singe, parce que c'est le singe sacré de Bouddha ou le dieu. Voilà. Mais même si le singe a traversé la route, si quelqu'un a écrasé un singe, il faut préparer les offrandes pour se faire pardonner. Notre hôtel est dans un centre commercial. C'est juste de la bombe. Voilà.